Salut à tous, aujourd'hui vite fait, on va parler d'un set Lego The Lego Movie sorti en 2014. Il s'agit de la référence 11813 Rescue Reinforcements ou en français les renforts. Ça coûte 74,99€ et ça contient pas moins de 859 pièces ainsi que 5 figurines. Voilà, donc justement en parlant des figurines, eh bien on va voir de quoi il en retourne tout de suite. Aussi, avant de commencer, ce modèle-là, en plus d'être coûteux, est en édition spéciale Cochlear, un modèle plutôt difficile à trouver. Personnellement, j'ai acheté le mien sur la boutique en ligne officielle de Lego, le Shop at Home. Voilà. Donc, les figurines, on va commencer par notre figurine un peu du côté méchant, voilà, avec le robot SWAT qui ressemble à ceci. Donc, on va juste mettre, quitte à faire, le focus bien comme il faut. Voilà. Donc le robot SWAT, qui n'est pas sur nouveau parce qu'effectivement on peut retrouver la même figurine à l'identique dans la course-poursuite en moto. Je suppose qu'il y a d'autres pièces qu'on peut retrouver dans d'autres modèles, voilà, avec le petit flingue qui va bien. Viens ensuite, les quatre autres figurines sont toutes des figurines entre guillemets gentilles. Donc d'un côté, le pompier, qui tout comme la figurine du robot SWAT, a déjà vu ses imprimés utilisés ailleurs par le passé. Tant plus que comme c'est un pompier, forcément, et les Japon dans beaucoup de modèles Lego City. Voilà. Idem pour la tête, les jambes. Donc là, vraiment, lui, il est loin d'être nouveau, quoi. Même si toutes ces pièces-là, visiblement, dans un set, c'est la première fois que ça apparaît comme ça. Mais après, tout ce qui est pièces séparées, vous avez déjà trouvé séparément dans d'autres modèles, au moins dans les dizaines de fois, quoi. Vient ensuite nos figurines plus exclues du film. Bon, à part Robot SWAT, effectivement, là, elles sont vraiment exclusives à cette-là. Donc, notre fermier, comme on peut le voir. Voilà. Hop là. Puis, nos gentils civils à sauver. Avec notre fan de Blacktron, qui a ses petites bagues et ses taches de rousseur. D'ailleurs, deux expressions faciales. Voilà. Comme ceci. Donc Blacktron, bien sûr, hein. Thème spatial Lego sorti dans les années 90. Et enfin, la fan de Fabuland, un autre thème Lego, et comme on peut voir, elle aussi a une coupe de cheveux, donc couleur noire, des bagues et taches de rousseur. Donc les deux sont faits pour s'entendre, hein. Des véritables petits fans de Lego. Et encore, expression désastre, parce que, avec le fan de Blacktron, ce seront les deux personnes, entre guillemets, à sauver. Hein. Et donc, ils seront sauvés par qui? Par le pompier et par le fermier dans leur véhicule respectif. Mais avant ça, il faut les sauver de qui? Et bien, il faut les sauver du micro-manager, voilà, comme cela. Donc le micro-manager, niveau dimension, on est dans du... Hop là. On est dans du 15 cm de hauteur, 12 de longueur et 6 de largeur. Voilà. Donc comme on peut le voir, on repart bien évidemment d'un cube, hein, donc un gros cube noir à ce niveau-là, qui d'ailleurs a une fonctionnalité, c'est qu'effectivement, on peut ouvrir les côtés pour dévoiler des lance-missiles à ce niveau-là, et comme on peut voir, on aura aussi des missiles en recharge à l'intérieur, comme ceci, voilà. Donc gros cube, et comme on peut voir, contrairement au modèle micro-manager des deux en un, là, on a un cube qui est beaucoup plus gros, et donc logiquement, on aura aussi des jambes qui sont beaucoup plus grandes, comme on peut le voir ici, avec différentes articulations crantées, donc aussi bien charnières, comme on peut le voir ici, que véritablement crantées, donc au niveau des jambes, donc comme ceci, voilà. Comme cela, et idem au niveau du pied, comme ça. Et donc on peut faire différentes poses, bon, si on joue un peu avec, on va comprendre qu'on peut faire des poses en particulier, mais c'est vrai qu'après, il reste quand même, ma foi, assez limité. Par contre, ce qui est cool, c'est comme voir, il est plutôt stable, malgré le gros cube, les jambes sont vraiment très solides, donc permettent de faire tenir le personnage sans aucun problème, donc voilà, au moins ça c'est propre, ça fonctionne plutôt bien, et donc vous remarquez aussi la présence de deux bras mécaniques, là encore, tous articulés en 1, 2, 3, points, donc 3 points de rotation crantés, hop là, donc pour refaire ce que vous voulez, et une arme au milieu, donc une sorte de pistolet du futur avec le petit cône transparent rouge, comme ceci. Et donc rapidement, petite comparaison de taille par rapport à une figurine, et comme quoi effectivement il est plutôt grand, voilà. Après, il n'y a pas d'autre chose à en dire, et donc c'est pour ça qu'on va passer maintenant eh bien, au robot pompier. Donc voilà, alors j'ai pas fait le temps à la rendre et tout. J'ai dû le faire et tout, mais ça, effectivement, je me... Bon, c'est pas trop grave. On va enchaîner avec le robot pompier. Voilà. Donc, zut, il est quand même aussi... Il est aussi assez massif, lui, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Hop, on va juste ajuster la caméra. Comme ceci, mettre les pieds bien droits. À ce niveau-là. Et donc,
Niveau dimension, on est dans du 21 cm de hauteur, 8 de longueur, 34 de largeur. Donc comme on peut voir, c'est quand même assez massif. Voilà. Et donc, niveau articulation et mécanisme, qu'est-ce qu'on a pour notre véhicule pompier? Bah, déjà, on a notre espèce de cockpit qui va totalement penser à un avion de camion de pompier. Donc, on peut le tourner comme ceci au niveau du bassin, mais comme vous pouvez voir, on a des câbles qui sont reliés au corps et aux jambes, donc qui forcément vont un peu limiter le mouvement. Hein, comme vous pouvez voir, à chaque fois, ça viendra un peu en position initiale. Voilà. On en vient ensuite aux bras, donc comme ceci, qui sont libres au niveau des épaules, véritablement, il n'y a aucun problème avec les parties qui ressortent à ce niveau-là. Là, sur ball joint au niveau des coudes, donc comme on peut voir encore, à cause du tuyau, des fois, vous pouvez faire certaines pauses. Alors c'est un peu à vous de jouer avec pour voir ce que vous pouvez faire, quand vous pouvez régler un peu tout ça. On a enfin une main avec doigts articulés, qui, comme on peut voir, sont inspirés eh bien, de bouches d'incendie. Avec les petites parties argentées, et bien sûr, hein, qui dit véhicule pompier, forcément, on va retrouver beaucoup d'éléments de pompier, hein, je veux dire, les bonbonnes d'oxygène, les casques, les panneaux de contrôle ici, les valves, forcément, les tuyaux qui sont présents partout, donc voilà, franchement, on a de quoi faire. L'autre bras, par contre, comme vous pouvez le voir, a une main différente, dans le sens où on a une sorte de lance-haut, qui peut être tournée comme ceci, voilà. Vient ensuite les articulations pour les jambes, donc on a dû cranter à ce niveau-là, et donc là encore on est plus ou moins libre ici, voilà, malgré la présence eh bien, du tuyau à ce niveau-là, on est quand même voilà, tout à fait libre. Par contre, là où on est beaucoup moins libre, c'est effectivement au niveau eh bien, des pieds, parce qu'effectivement, le pied, comme vous pouvez le voir, a une pièce avec rainure qui est directement mise ici. Et donc ça, bah, ça influe sur quoi? Déjà, ça influe sur le fait qu'on ne pourra pas lever le pied plus que ça. Par contre, on peut mettre en arrière un peu. Idem, on ne peut pas le mettre sur le côté, comme parce que la pièce blanche bah, bloque justement sur la pièce ici pentue. Donc en clair, bah, on pourra faire certaines poses en forçant un peu ici et là, mais c'est vrai que, eh bien, on a quand même un pied qui de base est franchement assez limité. Mais après, en jouant avec, vous pouvez, voilà, par exemple, hop là, je vais tourner sur le pied là comme ceci, pour pouvoir bien poser votre modèle. Donc voilà, et donc comme on peut le voir, hein, il est quand même assez massif. Hop là. Après, ce qui n'est pas un mécanisme, mais quand même ce dont on peut parler, c'est eh bien, le tuyau qu'on peut déplier à ce niveau-là, le casier qui peut s'ouvrir, l'échelle bien sûr qui peut être montée par une figurine, et comme pour une porte à l'arrière, vous pouvez ouvrir si vous souhaitez pour mettre la figurine dedans. Et d'ailleurs, dedans, dans quoi? Eh bien, dans le cockpit, qui s'ouvre comme ceci très simplement. Et donc, comme vous pouvez le voir, volant plus quand même petit siège, ce qui est assez intéressant pour être noté, parce que c'est pas souvent qu'on a des sièges dans les cockpits de véhicules comme ça, hein. Souvent on voit vraiment l'essentiel, là on a au moins le sens du détail. Donc voilà pour notre robot, comparaison de taille avec notre fan de Fabuland. Et donc comme on peut voir là encore, on a un véhicule quand même qui est assez massif, hein, il faut bien le dire. Il fait quand même son poids, il fait quand même sa taille, donc il rend vraiment très bien je trouve. Voilà pour le robot pompier et ses différents mécanismes. Et comme je l'ai dit, là, bourré de détails dans tous les sens, pour ça je pense que vous avez pu le voir en tournant. Aussi par contre, je ne l'ai pas noté, là vous avez un code qui est imprimé, ça c'est pour le jeu sur le site internet. Et donc normalement, chaque modèle que vous achetez, enfin chaque modèle qui existe, a un code distinct, voilà. Comme ceci. Et donc je pense qu'on a fait le tout. Voilà, maintenant on va attaquer le troisième et dernier modèle de cet ensemble de jeux. C'est l'hélicoptère Far West. Comme ceci. Alors l'hélico qui vient du Far West, juste que je règle un peu ma caméra, voilà, pas de problème. Et donc niveau dimension, on est dans du 14 cm de hauteur, 18 de longueur et 19 de largeur. Voilà, tiens, quitte à faire quand on y est. Comme on peut voir, assez haut. Oula, j'ai carrément tombé la figurine. Hop là. Comme ceci, trois quarts arrière, arrière tout court. Et donc, comme on peut voir, c'est très particulier ce véhicule parce qu'en fait, bah, il est carrément inspiré du. C'est vraiment une maison avec une grosse hélice au-dessus, quoi, dans l'idée. Donc, on a véritablement trois murs qu'on va créer de toutes pièces. C'est logique, c'est du Lego, tu me diras, voilà. Et après, donc, bah, on fera le reste au-dessus. Donc, comme on peut voir, les pièces simples, des pièces pentues inversées. En dessous, sous les airs, on a directement des petits missiles. Donc, tout comme le fait, tout comme, voilà, le ceux du micromanager, on les lance avec le doigt. Par contre, on n'aura pas de recharge contre un micromanager. On notera les
levier de commande fait avec plusieurs petites pièces, qui est toujours intéressant. Ici, on a notre premier mécanisme. En clair, on ouvre. D'ailleurs, vous trouvez aussi l'encre qui se balade à ce niveau-là. On ouvre, et après, on n'a plus qu'à faire glisser une sorte de module 6x4 tenons. Et donc, le module, eh bien, fait tomber des carottes, comme vous pouvez le voir. Hein, parce que l'idée, c'est grosso modo, on a une sorte de partie creuse. Et forcément, là, quand on a un sol, les carottes peuvent être prises dans la partie creuse sans que ça tombe. Et forcément, quand la partie creuse qui est vide, eh bien, bah, se mettant au-dessus du... quand elle est... Non, oui, quand elle est creuse, quand elle est... quand elle a un trou, quoi. Quand elle se met forcément au niveau du vide, eh bien, les carottes vont tomber parce que, bah, elles ne seront plus au niveau du sol. Mais comme on aura glissé la pièce, eh bien, elles seront au niveau du vide. Voilà, c'est l'idée. L'arrière avec deux hélices. Vous montrez la partie... La roue dentée, là, elle ne sert à aucun mécanisme, hein. Vous montrez d'ailleurs aussi le cochon et sa carotte. Les petites fenêtres comme ceci. Là, on aura un rebord de fenêtre avec, comme vous pouvez voir, un tonneau. Enfin, un tonneau, non, un baril plutôt en bois. Un baril. Non, pas un baril, plutôt une bassine en bois, devrais-je dire. Bref, des chaînes. Et on peut faire tomber donc des pommes, comme ceci. Voilà. Donc, on peut avoir chaînes aussi bien reliées à la base de la, du mur que du bout du toit. Hein, donc, on peut ouvrir ça comme ceci, comme vous pouvez le voir aussi. Voilà. Ça marche aussi comme ça. L'hélice qui tourne. Et on entre aussi la poule qui regarde dans la longue vue pour aider, je suppose, le fermier à se déplacer sans se faire tuer par le micro-manager. Et donc là, on a un peu fait le tour de notre véhicule, je pense. Donc on a vu l'intérieur comme PWA. L'intérieur, au final, est un peu vide dans le sens où, à part le module 4x6 avec les carottes pour le faire tomber, le tout bien sûr relié sur des pièces charnières, on n'a rien d'autre de spécial. Voilà. Mais je pense au moins que vous avez une petite vue, voilà, les petites pièces un peu avec rainures à ce niveau-là pour les détails du toit. Voilà, voilà pour l'hélicoptère. Il est franchement plein de détails et ma foi assez original. Je pense que c'est le moins de le dire. Donc, on va maintenant passer eh bien, au bilan, vu qu'on a fait le tour un peu de nos modèles, qu'on a vu un peu à quoi ils ressemblaient, les détails, les articulations. Donc, bah tiens, je vais te faire une image finale un peu comme la review version longue, qu'est-ce à faire. Ou autre chose qui est peut-être un peu différent. Bref. Alors, est-ce que je vous conseille d'acheter ce modèle-là? Bah, je vous conseillerais presque, mais c'est vrai qu'il est quand même super cher. Donc, on va revenir ensemble sur différents points. Donc déjà, on va commencer avec ce qui est, selon moi, un peu mauvais, ce qui n'est pas spécialement super intéressant. Attendez, tant que j'arrive. Comme ça, voilà. Hop. Donc où j'en étais, moi? Oui, effectivement. Le. Donc ce qui pour moi, effectivement, fait partie un peu du mauvais. Donc le mauvais, bah, en fait, je dirais, c'est un peu le micro-manager qui, selon moi, bien, malgré sa taille qui est assez intéressante, il ne faut pas le négliger, et bien, malgré sa taille qui est assez intéressante, donc qui le rend un peu plus diversifié, qui le rend un peu plus original des autres micro-managers, il n'a rien de véritablement original, quoi. C'est vraiment un gros cube, il reprend le système des ouvertures sur les côtés qu'on a géré avec le micro-manager dans un modèle 2-en-1. Seul problème, il le fait, selon moi, moins bien, parce qu'au final, bah, il lance aussi un seul missile, alors qu'il est deux fois plus gros, quoi, dans l'idée. Donc c'est un peu ridicule, je trouve, même dans le même missile en recharge intérieure, quoi. Donc c'est vrai qu'effectivement, eh bien, ce mécanisme-là pour ce micro-manager ne fonctionne pas génial, n'est pas original et d'une, et en plus, bah, n'est pas super adapté à la taille du modèle. Voilà. Après, pour le reste, le modèle est grand, c'est bien, mais pour moi, c'est vraiment le seul bon point, quoi. C'est qu'il est plus grand que les autres, donc il a, ça change au moins, voilà. Il est menaçant, certes, c'est pas faux, mais mis à part ça, il a pas grand chose pour lui, quoi. Par rapport aux autres modèles qui sont vraiment originaux et plein de détails, et eh bien lui, hélas, ne continue pas là-dessus, quoi. Alors, bien sûr, plein de détails pour un micro-manager, j'en demande pas vraiment autant, quoi. Néanmoins, j'aurais aimé que ce soit un peu plus original que ça pour un site de ce prix-là, et il ne l'est, hélas, pas. Donc ça, c'est un peu, je trouve, c'est parti du mauvais, quoi. Aussi, dans le mauvais, on pourra noter rapidement, dans le mauvais, ouais, rapidement, peut-être, les articulations du modèle, qui sont bien, mais c'est vrai qu'ils mettent un peu de temps à s'y habituer, quoi. Un peu dur à appréhender, avec les gros câbles, des fois, qui mettent la circulation, les articulations du pied qui sont un peu compliquées à comprendre. Donc, c'est vrai que des fois, ça, c'est un peu galère. Voilà, il faut bien le dire. Après, par contre, c'est dans le moyen. Dans le moyen, certains pourront reprocher le fait qu'au niveau des figurines,
on est beaucoup plus de gentils que de méchants. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je m'en fiche. Et ça me va très bien comme ça, vu qu'on a quand même des figurines de qualité. Mais voilà, ça, on peut dire, par exemple, ouais, j'aurais mis un autre membre de la SWAT. Bon, pourquoi pas. Autre point moyen, le design vraiment atypique de l'hélicoptère. Qui, eh bien, c'est vrai, est assez un peu haut, qui n'est pas spécialement ce qu'on pourrait apprécier le plus, et aussi des fois, ce qui n'est pas le plus évident pour jouer, parce qu'effectivement, c'est un modèle qui est rempli de détails, mais qui, eh bien, des fois, peut être un peu dur à prendre en main, parce qu'il y a un peu trop de choses qui bougent, quoi, entre les chaînes ici, les chaînes à ce niveau-là, l'arrière avec le cochon, c'est un peu particulier, quoi, de manipuler ce modèle-là, voilà. Tout comme moi, j'ai besoin du mal à manipuler des figurines pour faire ce bilan. Et donc après, bah, le point fort du set, bah, c'est son originalité, quoi. Tout simplement. Je veux dire, franchement, le robot-pompier rend super bien, parce que d'une, il a un schéma de couleur qui est éclatant, il a bah, quand même des articulations qui peuvent quand même bien fonctionner, il est rempli de détails qui font référence au camion de pompier, aussi bien au niveau eh bien, du, bah, forcément d'espèce de torse cockpit, que bien forcément au niveau des valves, à ce niveau-là, les pots de contrôle, le casque de pompier, donc franchement, tout ça fait de ce véhicule-là un véhicule qui vraiment... Bah, et rentre dedans, aussi bien au niveau schéma de couleur qu'au niveau dimension, avec quand même une taille assez imposante, que, eh bien, au final, eh bien, son aspect de robot. Donc franchement, non, on a un bon véhicule à ce niveau-là. Et puis, idem pour, je trouve, le véhicule du Far West, qui certes, un schéma de couleur un peu plus sobre, avec du beige, du marron, bon voilà, c'est pas non plus la joie, mais néanmoins, qui est super original, quoi. Moi, quand j'ai compris qu'on allait construire, au final, bah, tellement une maison sur hélice, j'ai été super impressionné, et j'avais un sourire grand comme ça, quoi. Rajouter à ça des tailles assez rigolos, comme par exemple, voilà, la poule qui a la longue vue, le cochon à l'arrière, etc., la bassine à ce niveau-là, les parties ici, faites maison, les barrières pour les hélices, et on a vraiment... pour moi, un véhicule qui est très détaillé et qui est, ma foi, encore assez original. Idem, le mécanisme qui est à l'intérieur avec le corde qu'on fait tomber, c'est quand même assez fort, ça, je trouve, dans l'idée de leur pensée à le caser ici, quoi. Donc, on a vraiment, pour moi, deux véhicules qui, eh bien, permettent de véritablement faire ressortir l'essence du film, dans le sens où on part d'un véhicule qui est vraiment banal et on en fait quelque chose de vraiment original, quoi. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui bah, fonctionne encore plus que avec les véhicules 2 en 1 qui servent bah, sont un certain sens de genre, mais qui n'ont peut-être pas ce niveau vraiment d'originalité qu'on peut avoir avec eh bien, ces deux modèles qui sont de taille conséquente, qui ont beaucoup de détails, qui ont des couleurs pour l'un qui ressortent bien, des éléments d'aide pour autres qui ressortent aussi tout autant. Donc on a vraiment, eh bien, ce côté création, ce côté originalité, ce côté vraiment, on s'inspire d'un quelque chose de base, et de ça, on puise vraiment toute l'inspiration pour créer un nouveau véhicule. Donc c'est pour ça que vous l'aurez compris qu'avec les figurines, eh bien oui, moi j'aimerais bien vous conseiller ce modèle-là, parce que malgré son prix, qui est quand même assez cher, hein. C'est vrai que 75 euros, c'est un peu élevé. J'aurais peut-être dit que 70 euros aurait été mieux, c'est vrai. Mais après, moi, je suis pas vraiment déçu, quoi. J'ai payé 75 euros pour l'avoir, je l'ai construit, et franchement, j'étais très content de le construire, quoi. J'ai un bon grand sourire pour la construction. J'ai découvert plein de trucs, la construction est intéressante et rigolote, et voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que, bah, forcément, le micro-ménageur à côté n'en est que plus décevant, parce que vraiment, ça, c'est super intéressant, et ça à côté, bah, ça l'est beaucoup moins, quoi. Alors certes, un micro-ménageur, certes, c'est censé représenter le côté un peu normal, la normalité des choses, mais j'aurais aimé un mécanisme plus passionnant, quoi, avec des roues dentées, avec un truc, franchement, qui sort un peu l'ordinaire, alors que là, bah, au final, on a un peu une redite de ce qui a déjà été fait, mais juste en plus grand, quoi, voilà. Et donc, bah, c'est vraiment décevant. Malgré ça, pour moi, c'est un set de qualité, et qui est assez fort au niveau de son contenu, et de ce qu'il peut apporter. Donc vraiment, si vous êtes fan du thème, je vous conseille ce modèle-là. Et voilà, je pense donc on va se quitter là-dessus. Ouais, donc, questions, commentaires, s'il vous en reste, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Nous, en attendant, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Donc, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... ce que vous voulez. Et puis, c'est tout. Allez, donc, bah, merci de nous avoir suivis, et à la prochaine. Allez, salut.